Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Alors, comme vous l'avez constaté dans le titre, ça serait une très mauvaise nouvelle si jamais ça se confirme, à la fois pour le FC Barcelone et pour Ansu Fati, qui est l'une des stars du club, voire le symbole de la nouvelle génération de l'équipe qui pourrait, entre guillemets, se faire opérer au ménisque pour la troisième fois consécutive. Selon la radio Catalogne, qui rapporte que le rétablissement du prodige espagnol pourrait ne pas se dérouler comme prévu et que le joueur craint de devoir repasser sur la table d'opération. Selon toujours le média catalan, la suture du ménisque réalisée lors de sa présumée deuxième opération ne cicatrise pas comme prévu, ce qui complique sa guérison. Mais ce qui est étonnant dans cette affaire est qu'avant cette information qui ne me plaît pas du tout, le joueur se disait ravi de pouvoir figurer dans le groupe d'ici peu et pour jouer au mois d'avril, qui est tout proche d'ailleurs, est ainsi disputé le Clasico contre le Real Madrid qui sera dans deux semaines. Et aussi ce mercredi, Ansu Fati a déclaré qu'il avait hâte de jouer l'Euro avec l'Espagne, un rêve qui s'avérait irréalisable en cas de nouvelle opération. Pour rappel, il a été opéré pour la première fois en novembre dernier et s'était déchiré le ménisque du genou gauche lors du match contre le Betis Séville suite à un accrochage avec Aissa Mandi et n'est toujours pas revenu sur les terrains. Alors en janvier dernier aussi, il aurait été de nouveau se faire opérer pour optimiser son rétablissement car le genou souffrait des efforts importants auxquels il se soumettait, ce qui me laisse un peu dans le doute. Parce que le journaliste Victor Navarro déclare que des sources médicales proches de la récupération d'Ansu Fati assurent qu'il n'y aurait pas de troisième opération car il n'y a même pas eu de deuxième opération. Il explique aussi que Ansu Fati va bien et assure que les rumeurs selon lesquelles il risque de subir une troisième intervention chirurgicale sont des mensonges. Maintenant, ce que je peux vous assurer est que chaque personne ressent à lui seul ses douleurs et quand un joueur blessé se fixe des objectifs ou un retour dans un futur proche et qu'il va bien, alors on doit se focaliser sur ce que disent les médecins du club et s'il le faut, sur ce que dit le joueur et non sur ce qui se dit à l'extérieur, surtout quand il s'agit d'une information provenant de certaines entités. Restons vigilants aux fake news, donc les informations non vérifiées et prions pour le retour dans les plus brefs délais de notre joyau Ansu Fati Vieira. Et je pense qu'il sera de retour à temps. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.